Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2891 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 11 avril avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec celui de Manuel Ugarte, le milieu défensif du Paris Saint-Germain. Il fête aujourd'hui ses 23 ans. Et également Loïc Badé, défenseur de l'équipe de Séville, pour lui aujourd'hui ses 24 ans. Thiago Alcantara, le joueur de Liverpool, il fête aujourd'hui ses 33 ans. Delali, ancien joueur par exemple de Manchester United, donc il fête aujourd'hui ses 28 ans. Par exemple, tiens, Cédric Bakambu, qui est aussi un joueur connu, hein, il fête aujourd'hui ses 33 ans, donc voilà tous les anniversaires de joueurs connus aujourd'hui en ce 11 avril. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier. On va parler bien sûr des deux rencontres de Ligue des Champions et on commence avec ce quart de finale entre le Paris Saint-Germain et l'équipe du FC Barcelone. Donc bien évidemment, j'ai regardé le match et bah voilà, le PSG s'est incliné bien sûr 3-2 et pour moi logiquement le PSG, voilà, il y a eu des séquences où le PSG était bon, on va dire la reprise de la deuxième période où ils ont réussi à marquer deux buts, mais le PSG, les gars, il y avait trop de lacunes hier, trop d'erreurs, erreurs de joueurs, Beraldo, Donnarumma, les gars, Donnarumma hier c'est quand même très inquiétant le match qu'il a pondu, pourtant tous les derniers matchs il a été exceptionnel, on se souvient du gros match qu'il avait fait à Marseille où le PSG s'est imposé 2-0, il a fait 10 arrêts décisifs, hier les gars il est fautif sur les 3 buts, Donnarumma. C'est un gros problème, on se souvient déjà qu'il avait été catastrophique hein, contre le Real Madrid il y a 2 ans en Ligue des Champions. Et hier, les gars, sur les 3 buts, bon, j'ai pas dit qu'un autre gardien a arrêté les 3 buts, mais peut-être un but pris seulement. Mais là, 3, ça fait beaucoup quand même pour Donnarumma. Bon, voilà, logiquement, le Barça s'est imposé parce que le Barça a été beaucoup plus sérieux tout simplement lors de cette rencontre. Donc les buteurs, hein, côté Paris Saint-Germain, Dembélé, Vitinha, et côté FC Barcelone, Rafinha 2 fois et Christensen. Donc voilà, le Barça prend une sacrée option quand même pour se qualifier pour les demi-finales. Donc le match retour, c'est dans 5 jours exactement. Ça sera mardi prochain, mais cette fois-ci, ça sera à Barcelone. Donc les statistiques de la partie, donc la possession un peu plus côté Paris Saint-Germain, les tirs, 18 tirs pour le PSG, 6 tirs cadrés, 2 buts marqués. Donc les tirs cadrés sont exactement pareils hein, pour le FC Barcelone. 6 tirs cadrés pour les deux équipes, c'est vrai que ça aurait pu finir en match nul. Ça aurait pu peut-être aussi finir en victoire pour le PSG, mais ça finit en victoire pour le FC Barcelone. Et dos au mur, du coup, cette équipe parisienne, parce que bah, il n'y a plus le choix. Hein, tu as perdu le match aller, donc il faudra absolument faire un résultat la semaine prochaine du côté de Barcelone. Sinon, l'aventure cette saison en Ligue des Champions sera de nouveau bah, finie, hein, comme bon, on a l'habitude, hein, bien sûr, du côté de Paris, que ça se finisse souvent très rare, enfin très rapidement, on peut dire. Hein. Et la une du journal L'Équipe aujourd'hui, bah, remonter la pente, hein, on va dire. Bon, c'est pas une remontada qu'il va falloir faire au match retour, parce qu'il y a seulement un but. Il y a plus un, on va dire, là, par rapport, enfin, pour le Barça, par rapport au PSG. Ça se remonte, hein, mais bon, il va falloir montrer un autre visage, hein, parce que si le PSG joue comme ils ont joué hier, on va dire jouer seulement 20 minutes, on va dire un peu le début de match et un peu le début de la seconde période, c'est pas possible, bien sûr, hein. Il faut être sérieux, 90 minutes, et ça, le PSG ne l'a pas été hier. Donc, battu à domicile par Barcelone au terme d'un match avec quelques hauts et beaucoup de bas, hein. Le PSG dans l'obligation de l'emporter en Catalogne mardi prochain. Mbappé devra se montrer bien meilleur qu'à l'aller, on va parler, hein, bien sûr, de Kylian Mbappé, parce qu'il nous avait prédit un gros match de sa part. On ne l'a pas vu. Mais avant de parler de Kylian Mbappé, on revient tout d'abord bah, sur cette série qui se finit pour le Paris Saint-Germain. Donc, première défaite du PSG depuis 27 matchs. Les Parisiens n'avaient plus perdu depuis 5 mois, depuis le 7 novembre 2023. C'était également Ligue des Champions. C'était contre l'AC Milan à San Siro. Depuis, le PSG n'avait plus perdu. Et c'est simple, hein, c'est la fin de la meilleure série de l'histoire du PSG. Après 5 mois d'invincibilité, donc c'est fini vu qu'hier, il y a eu défaite contre le FC Barcelone. Et pour vous dire que ça va être compliqué pour le PSG de se qualifier après... Ça peut peut-être changer, hein, mais jamais un club français ne s'est qualifié pour le tour suivant après avoir perdu son match aller à domicile en Ligue des Champions. Voilà, donc jamais c'est arrivé. Voilà, qu'une équipe française arrive à se qualifier après avoir perdu le match aller à domicile. Voilà, voilà la montagne que va devoir gravir, on peut dire, les joueurs du Paris Saint-Germain lors de ce match semaine prochaine. Luis Enrique, qu'est-ce qu'il a pensé de du match de son équipe, hein? On a fait un bon match. Bon, lui, il a dit qu'il a fait un bon match. Bon, pour moi, je dis, il y a des séquences, hein, où le PSG a bien joué. En début de première période, en début de deuxième période, puis après, c'était plutôt le Barça qui a été meilleur. Hein. Bref, donc une équipe très forte, oui. Hein. De toute façon, c'est vrai que le Barça était une très bonne équipe. Hein. On va aller à Barcelone avec beaucoup d'envie. Pour nous, ça sera une finale. J'ai confiance en mon équipe. Donc, c'est vrai, hein, le PSG peut le faire. Hein. Regardez, le PSG, il y a 2 ans, ils étaient déplacés du côté du Camp Nou. Bon, c'était sans spectateurs, mais le PSG avait mis un 4-1. Par exemple, le même résultat, là, mardi prochain, le PSG, bien sûr, se qualifie en demi-finale. Mais voilà, c'était pas le même FC Barcelone. Et voilà, donc on verra si le PSG va mettre les ingrédients tout simplement pour renverser la vapeur. Et on va parler de ce joueur parce qu'il y a 2 ans, il avait été exceptionnel parce qu'il avait inscrit un triplé, bien sûr, Kylian Mbappé. Donc on attendait beaucoup de Kylian Mbappé, c'était peut-être son dernier match.
en Ligue des Champions à domicile hier, hein, s'il y a élimination. Mais c'est vrai qu'hier, les gars, bah, il a été transparent. Kylian Mbappé, il n'a absolument rien fait. On se souvient contre la Real Sociedad, il avait été très bon lors des deux matchs. Mais hier, les gars, bah, il n'a pas été à la hauteur. Hein. Kylian Mbappé, on l'a quasiment pas vu. Donc regardez les statistiques de Kylian, hein, seulement. Enfin, 44 ballons touchés, bon, c'est pas mal. Mais 0 tir cadré. Voilà, si tu ne cadres pas, tu ne peux pas marquer. Un dribble réussi seulement sur 4 tentés. Donc beaucoup de pertes de ballons. 2 duels remportés sur 10 tentés. 13 ballons perdus. 3 fautes commises. 3 fois hors jeu. Ben, il n'était pas du tout dedans dans cette rencontre. Hein. Pourtant, il nous avait dit il y a quelques jours sur Téléfoot, en interview, il avait dit, hein, tiens, c'était dimanche matin, c'est le moment pour les grands joueurs, je suis prêt, comme d'habitude, je ne vais pas me cacher. Donc c'est bien des fois de dire, voilà, t'as le droit de dire ça, mais il faut répondre présent, on est d'accord sur le match, ou tu dis rien, voilà, tu fais pas d'interview d'avant-match, tu dis rien, voilà, tu dis pas que tu vas pas te cacher tout ça, pour pondre un match comme ça. Donc voilà, bon, on espère que, après Mbappé, vu que c'est un très grand joueur, voilà, il peut faire un match catastrophique comme hier et après faire une masterclass et mettre un triplé. La semaine prochaine, on verra. Mais c'est vrai qu'Mbappé n'a pas été bon. Et dans le journal L'Équipe, aujourd'hui, il a obtenu la note de 3 sur 10. Un 3 sur 10, c'est un mauvais match, voilà, de la part de Kylian Mbappé, c'est vrai. Donc c'est dommage, hein, parce que c'était au parc. Il y avait l'occasion de faire quelque chose, bien sûr. Et Mbappé n'a pas été bon. On va parler aussi de ce joueur, lui. C'est vraiment inquiétant. Mais quel match il nous a fait? C'est Lucas Beraldo. Obtient la pire note de ce PSG FC Barcelone dans le journal L'Équipe. Une note de 2 sur 10. Donc 3 sur 10. En gros, c'est mauvais match, et 2 sur 10, c'est très mauvais match. Donc Beraldo, les gars, hors sujet, hein, en début de match, on a l'impression qu'il connaissait pas enfin les fonctions d'un défenseur central, hein, de ne pas suivre, parce que Lewandowski, les gars, fait quand même un gros match malgré qu'il n'a pas marqué. Lewandowski et décrochait beaucoup, et lui, il le suivait. Normalement, tu fais pas ça quand t'es en district ou t'es jeune en U9, tout ça, voilà, tu peux ne pas encore comprendre ça. Mais là, il joue un match de Ligue des Champions, un quart de finale. T'as Lewandowski, l'un des meilleurs attaquants, numéro 9 de l'histoire du football. Et il le suivait, et à chaque fois, il s'est fait manger comme ça pas mal de fois. Donc voilà, Beraldo, gros point d'interrogation par rapport à son match. Hein, 2 sur 10, voilà, un match catastrophique, hein, de sa part. Et c'est bien aussi, un peu comme on parlait d'Mbappé, voilà, dire ça, puis après prendre un match comme ça. Mais c'est bien lui aussi, voilà, il rigole tout ça, hein, voilà, parce que lui, c'est son rituel, on peut dire, de rigoler lors des hymnes. Mais après, voilà, il faut faire quand même un bon match, parce que voilà, on a l'impression là qu'il rigole, il prend tout ça à la légère. Puis après, une fois un match comme ça, il y a un match catastrophique où il n'a pas été bon, hein, tout simplement. Lucas Beraldo. Regardez les pires notes de l'équipe, hein, enfin du journal L'Équipe, voilà, par rapport au joueur du PSG. Donc Asensio aussi, on ne l'a pas vu. Il est sorti à la mi-temps parce qu'on ne l'a pas vu. Marco Asensio, une 2-3, Mbappé 3, Beraldo 2. Et Donnarumma 3. Parce que Donnarumma, il faut aussi en parler. Parce que sur les 3 buts, hein, quasiment fautif à chaque fois. Donc le premier but, où c'est un centre de Lamine Yamal, il a dévié, mais il a dévié pas assez. Du coup, ça revient sur Rafinha. Le deuxième, je crois que c'est la grande, le piqué là de Pedri sur Rafinha. Il plonge même pas. Voilà, il y a peut-être moyen peut-être de la sortir, à dire ça. Et le troisième but, c'est le corner où il sort pas. Le corner de Christensen, on est d'accord qu'il doit sortir en plus. Le corner... Le ballon, il n'est pas vraiment au point de pénalty, il est vraiment entre le point de pénalty et la ligne de but. Donc normalement, il sort, il met un coup, de... enfin, il la prend un point, puis voilà, il dégage le ballon. Il n'est même pas sorti, il est resté sur sa ligne et ça fait but. Donc oui, il est fautif sur les 3 buts. Hein. Donnarumma, c'est vrai qu'il fait des grosses performances en Ligue 1, mais en Ligue des Champions, c'est là où on l'attend. Et hier, il n'a pas été bon. Donnarumma, donc 3 sur 10, hein, c'est gentil. Hein. Il mérite même un très mauvais match de sa part, hein, parce qu'il doit être bien meilleur, Donnarumma. On va parler aussi de joueurs qui ont été bons, hein, parce qu'il n'y a pas eu des joueurs mauvais. Hein. Il y a, par exemple, Vitinha, Nuno Mendes, eux, ils ont été à la hauteur de cette rencontre. Problème, hein, c'est que des autres joueurs comme ceux-là qu'on a parlé, eux n'ont pas été bons. Donc tout d'abord, Vitinha, ben, lui, buteur. Hein, Vitinha, quelle saison il est en train de faire, hein, peut-être l'un des meilleurs parisiens cette saison. Depuis le début de saison, il est exceptionnel, hein, quand même, Vitinha. Et 8 buts et 5 passes. Il a été buteur hier, Vitinha. Donc félicitations, qui continue comme ça, c'est vraiment l'homme fort, hein, depuis le début de saison. Il est vraiment monté en puissance, hein, depuis le mois d'août, hein, c'est incroyable. Et aussi Nuno Mendes, heureusement qu'il était là, parce qu'en défense, hein, c'était pas du tout ça avec Beraldo, Donnarumma, mais lui il a été à la hauteur, hein. Revient d'une énorme blessure lui provoquant presque un an d'arrêt, hein. Ce soir il est auteur d'une très belle prestation face au FC Barcelone, un des meilleurs latéraux gauche au monde, hein, c'est qu'il était dans le duel avec Lamine Yamal, hein, je trouve. Je trouve qu'il a plutôt bien réussi à canaliser Lamine Yamal. Puis même, il a été bon. Hein, vraiment, il a sauvé. Regardez, par exemple, il a sauvé une balle sur la ligne. Parce que là, le Barça était à deux doigts de mettre un autre but. Puis là, ça aurait fait 4-2 au score final. Là, ça aurait été très compliqué.
Donc voilà, il a fait un sauvetage, puis même dans le jeu, il a été bon. Donc vraiment, grande réussite à Nuno Mendes lors de ce match. Hein. Pourtant, n'oubliez pas qu'il a été opéré il y a quelques mois. Regardez vos notes des Parisiens de ce PSG-Barça. Donc là, c'est sur le Twitter ActuFoot. Hein, ça n'a rien à voir avec le journal L'Équipe. Donc là aussi, en gros, ils pouvaient voter ceux qui sont sur le Twitter d'ActuFoot. Regardez les notes en gros qu'ils ont mis. Et bon, c'est à peu près voilà, ce qu'on pense tous. Hein. Les meilleurs joueurs comme Nuno Mendes, une note de 7. Dembélé, une note de 6. Hein. Il a été buteur. Dembélé, Vitinha 7. Voilà, on va dire c'est les 3 à la hauteur. Sinon, le reste, ben, catastrophique. Donnarumma, Beraldo, Mbappé, Asensio, Fabien Ruiz, les gars, bon, il a 4, il a même mérité 3, c'est lent, hein, Fabien Ruiz, les gars, c'est lent, du côté du PSG, peut-être pas le milieu, il faut absolument, je pense, le remplacer. Kanguini, c'est par séquence, il y a des trucs bien, puis il y a des trucs où, moins bien avec Kanguini, donc, voilà. C'est quand même, ça a été quand même très, très délicat, bien sûr, à cette rencontre. Hein. Et on va parler quand même d'Ousmane Dembélé. Donc, Dembélé, donc, il a inscrit hier soir son deuxième but de la saison. C'est vrai qu'on lui reprochait son manque de finition. Bah, hier, il a marqué un sublime but. Du pied gauche, hein, je crois. Je ne sais même plus. De toute façon, on ne sait pas s'il est gaucher ou droitier. Grosse frappe où Ter Stegen n'a rien pu faire. Et il a marqué, bah, ça reste seulement son deuxième but en 36 matchs. Bon, après, dans le jeu, il a beaucoup... Il a tenté, il a perdu beaucoup de ballons, mais bon, il a quand même marqué. Il a marqué en plus ce but égalisateur hein, qui a fait du bien au PSG, parce que le PSG a marqué 2 buts en 2 minutes. Voilà, 2-1, c'était magnifique. Puis après le PSG a fait n'importe quoi, bref. Donc, c'est que Neymar... Et Dembélé, enfin, Dembélé revient sur le nombre de buts de Neymar cette saison. 2 buts inscrits. N'oubliez pas que Neymar avait marqué 2 buts. C'était lors de la tournée asiatique en mois de, c'était au mois de juillet, hein, fin juillet 2023. Donc le PSG était au Japon pour des matchs amicaux. Il a marqué 2 buts. Donc voilà, Dembélé revient sur le nombre de buts de Neymar cette saison. Et 6 ans au Barça, mais Dembélé n'a pas hésité à célébrer son but. Hein. C'est vrai qu'il aurait pu retenir sa célébration, pas du tout. Il a fait une grosse célébration. Ousmane Dembélé. On va parler aussi de Marquinhos. Pourquoi ? Parce que Marquinhos présent au club depuis 2013 et Marquinhos est devenu le seul recordman de matchs disputés avec le PSG. C'était son 436e match. Avant, il était ex-aequo avec Jean-Marc Pilorja, 435 lors du dernier match contre Clermont. Et là, bah, il est seul joueur le plus capé de l'histoire du PSG. On peut voir le top 5. On peut voir par exemple aussi Verratti, lui qui a joué plus de 416 matchs hein, du côté du Paris Saint-Germain. Félicitations à Marquinhos. Hein, dommage après parce qu'il y a eu bien sûr cette défaite. Donc lui, il a joué défenseur droit. Bon, je crois qu'en deuxième période, il a été replacé dans l'axe. Hein. Où il a fait un meilleur match, on peut dire déjà, que Beraldo. Et il a dit à ceux qui s'imaginaient un match facile ne connaissent pas cette équipe de Barcelone. De toute façon, on savait. Voilà, tous ceux qui connaissent un peu le foot savaient que le Barça, les gars, c'était pas un adversaire facile. Hein, parce que même s'il y en a qui pensaient que voilà, le tirage était plutôt bon, parce que t'évitais City, t'évitais le Real, t'évitais le Bayern. Mais le Barça reste aussi une redoutable équipe. Et on a pu le voir hier lors de cette rencontre. Hein. Daniel Riolo désingue Luis Enrique. Comment mettre de l'intensité alors que tu as des joueurs qui ne jouent même pas à leur poste? Même eux sont surpris. Ils apprennent la compo au petit-déj. Hein. Luis Enrique fait des surprises. C'est Kinder Surprise. Donc voilà ce qu'il a pu dire Riolo par rapport à Luis Enrique, par rapport à ses choix. À ses choix qu'il a pu mettre hein, lors de la compo hier. Et toujours avec le PSG, après on va basculer sur le Barça. Donc l'optimiste règne au sein du vestiaire du PSG malgré la défaite subie. Donc d'après le journal Le Parisien, donc le PSG est plutôt confiant à faire un comeback, on peut dire, la semaine prochaine. Donc les Rouges et Bleus souhaitent s'arracher afin de poursuivre leur aventure européenne. De toute façon, il n'y aura pas le choix. Il faudra faire un autre match que le match qui a été fait hier. Les Parisiens sont déterminés à corriger ce qui a été mal fait. Ben, beaucoup de choses ont été mal faites hier. Donc voilà, maintenant c'est aux joueurs, hein, bien sûr. C'est bien de dire ça, enfin de penser ça. Maintenant, il faut le montrer sur le terrain. Mais pas que le PSG ne jouera pas là ce week-end. Hein. Du coup, prochain match, bah, c'est le Barça. Là, ils ont, on va dire, 5 jours pour préparer hein, cette rencontre retour. Mais tout est possible. Hein. Il y a seulement un but à rentrer, enfin à revenir. C'est pas, par exemple, un score de 2-3-0 pour l'adversaire où tu as 3 buts, là, c'est quasiment fini. Là, t'as un but, tout peut arriver, bien sûr, au match retour. Et maintenant, on va basculer côté FC Barcelone, parce que le Barça, bien sûr, a fait son match voilà, au Parc des Princes. Et on commence tout d'abord avec l'homme du match, c'est lui. Il a inscrit un doublé, c'est Rafinha, l'ancien René. Mais il a fait mal à cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc, félicitations méritées, hein, rien à dire, mérité, bien sûr, son prix du MVP. Et avant ce soir, il n'avait jamais marqué, il était à 0 but en Ligue des Champions. Et il a marqué ben, ses 2 premiers buts en Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain lors d'un quart de finale aller de Champions League. Félicitations à Rafinha. Parce qu'il a été tout dans tous les bons coups, on peut dire, hein, le joueur brésilien. Et on peut voir qu'il a fait la célébration un peu comme ça de Neymar, les gars. Et regardez, hein, Neymar, le commentaire Neymar sous le poste de Barcelone. Donc voilà, par rapport à la célébration. Donc Neymar, en gros, lui a refait en émoticône, on peut dire, la célébration que Rafinha a produit hier. On va parler aussi du coaching très réussi de Xavi. Parce que Xavi, il a fait des choix, il a mis des joueurs titulaires, il a fait rentrer des joueurs et ils ont été bons. Hein. Bien sûr, c'est choix. Hein. Donc déjà, à la 61e minute de jeu, il fait rentrer en jeu Pedri et il remplace Sergio Roberto. Hein. Et Pedri rentre et Pedri passeur D 1 minute après.
Oui, déjà le choix est très bon. Et après, les gars, 15 minutes après, il fait rentrer Christensen. Et Christensen, 2 minutes après, il marque sur corner, enfin de la tête sur corner. Voilà, le choix parfait, enfin le coaching parfait, on peut dire. De Xavi, hein. Donc, concernant déjà Pedri, donc il n'avait plus joué depuis le 3 mars dernier. Une minute après, il fait la magnifique ouverture hein, pour Rafinha. Donc voilà, quel joueur, c'est vrai que ça a changé, hein. C'est vrai qu'il a fait un bien fou, on a pu le voir lors de son entrée, malgré qu'il avait pu jouer depuis quasiment un mois et demi, bah, tu le sens qu'il y a un Barça avec Pedri et un Barça sans Pedri, le jeu est beaucoup plus fluide hein, quand le jeune espagnol bien sûr est sur la pelouse. Hein. Donc voilà, en l'espace d'un quart d'heure, on est passé de 2-1 à 3-2, on a l'impression de revivre le scénario du match entre le Real et Manchester City, hein. L'avant-veille hein, tout simplement. Et Christensen, comme je dis, hein, il rentre à la 75e, 2 minutes après, buteur de la tête, voilà, où Donnarumma doit absolument sortir. Bon, je suis pas gardien de but, mais je pense que n'importe quel gardien serait sorti. Donnarumma n'est pas sorti. Et du coup, Christensen a marqué. N'oubliez pas, Christensen sera suspendu hein, pour le match retour parce qu'il a pris un jaune. Et Sergio Roberto aussi, hein, les deux ont pris un jaune hier. Ils seront suspendus pour le match retour. On va parler aussi d'Araújo. Lui aussi, il était sous la menace d'un carton jaune. Il n'a pas pris de jaune. Donc, tant mieux pour le Barça. Et lui, il sera présent au match retour. Et c'est qu'il a fait un gros match. Allez, 4 tirs bloqués, 4 dégagements, 2 interceptions, 90% de passes réussies. Personne n'a réussi à le dribbler hier soir au Parc des Princes. On se souvient aussi de son tir bloqué voilà, sur comment dire, c'est Bradley Barcola en toute fin de match. Ou face à face avec Ter Stegen, il prend un peu trop de temps pour tirer. Puis au dernier moment, il arrive à Araújo. Gros match, hein, bien sûr, hein, de la part de Araújo. Hein, voilà, qui avait des crampes à la fin du match. Hein, voilà, regardez, Mbappé lui a tiré pour éviter les crampes. C'est peut-être la seule belle... belle situation, on va dire, de Kylian Mbappé, ce qu'il a fait de bien, on peut dire, hier. Et Pocu Barcé aussi était titulaire, hein, donc Pocu Barcé, il a fait son match hein, pour un joueur comme de 17 ans, hein, c'est quand même incroyable, parce qu'il a très bien géré les attaquants parisiens, il n'y a rien à dire, hein, et Pocu Barcé est devenu hier soir le plus jeune défenseur à être titularisé en quart de finale de Ligue des Champions à 17 ans et 79 jours exactement, félicitations à lui, donc le plus jeune défenseur, hein. Et sinon, il y a lui, hein, qui est encore plus jeune, bien sûr, qui a été titulaire, et record, les gars, Lamine Yamal est devenu le plus jeune joueur à délivrer une passe D. Voilà, donc c'est la passe décisive pour le premier but du match, hein, sur le but de Rafinha, où Donnarumma, les gars, doit absolument l'enlever. Il plonge, Donnarumma, sa main n'est pas assez ferme, hein, il la met vraiment une main ferme. Le ballon, les gars, ne va jamais sur Rafinha. Et voilà, pour vous dire que Donnarumma n'a pas été bon, mais bon, ça fait une passe D à 16 ans, 8 mois et 29 jours. Voilà, c'est le plus jeune joueur à délivrer une passe D lors d'un quart de finale de Ligue des Champions. Xavi, les gars, qu'est-ce qu'il a pu dire à la fin du match? Donc, je crois que le PSG reste le favori. Il avait déjà dit ça avant le match. Et il continue à dire que le PSG est favori encore pour se qualifier. Déstabilisation de l'adversaire lucide. Hein. Bon, je pense qu'il dit ça sans le penser, bien sûr. Hein, parce qu'il sait qu'avec un résultat de plus simple pour lui, maintenant c'est au match retour. Il y a quand même plus d'options de se qualifier que le PSG. Après, voilà, bien sûr, tout peut arriver parce qu'on a déjà vu plein de comebacks, on peut dire, lors des matchs retour en Ligue des Champions. Mais voilà, pour lui, il dit toujours que le PSG est favori. Juan Laporta, le président, il a dit « Je ne changerai aucun de nos joueurs pour un joueur parisien ». Voilà, peu importe le joueur, hein, que ce soit même Mbappé, je ne changerai pas Mbappé avec Rafinha, par exemple. C'est vrai que Rafinha était bien meilleur qu'Mbappé hier. Regardez Gundogan qui a fait son match aussi. Il est avec Riyad Mahrez, qui est un ancien joueur de City. Les deux anciens joueurs de City, l'international algérien, étaient présents au Parc des Princes pour soutenir son ancien coéquipier de Manchester City. Les deux, on peut faire une photo. À la fin de la rencontre, il y a du beau monde hein, du côté des tribunes du Parc des Princes. On peut voir Pierre Gasly, Teddy Riner, Luis Figo, même Didier Deschamps étaient tous présents hein, lors de cette rencontre. Il y avait aussi Ronaldinho, les gars, qui était présent. Lucas joue au PSG et au Barça, il était présent aussi pour assister à cette rencontre hein. Et les supporters étaient également présents, donc Yoda tiens à l'honneur ce soir au Parc des Princes. Le tifo, on savait que ça allait être un tifo surprise, donc ça a été ça, le tifo des supporters parisiens avant ce match, avec un message hein, gagner pour nous, vous devez. Le problème c'est que les joueurs n'ont, le public, les supporters étaient bien présents, ils ont fait eux ce qu'il fallait faire. Et les joueurs n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Ils ont perdu la rencontre. Voilà tout ce qu'il y avait à dire. Hein. Je pense avoir été complet. Je pense avoir tout dit. Hein, ce qu'il y avait à dire hein, sur ce PSG. Barça, on va parler de l'autre match. Bon, je ne l'ai pas vu. J'aurais un peu le résumé là en 5-6 minutes. Donc, l'Atlético s'est imposé 2-1. Donc, tout reste jouable. Hein, parce qu'une défaite plus 1 seulement pour l'Atlético. Dortmund, les gars, qui va recevoir notre tour. Tout est jouable, hein, bien sûr. Donc, De Paulino, les buteurs côté Atlético. Et Haller en fin de match. Hein. Donc, c'est vrai que 2-0, ça va être un peu plus compliqué. 2-1, le but de Haller, les gars, permet vraiment d'avoir de l'espoir, bien sûr, pour Dortmund hein, de faire un combat qu'on peut dire chez eux la semaine prochaine. Donc les statistiques, donc l'Atlético a quand même plutôt dominé hein, bien sûr, donc Dortmund s'en sort plutôt bien avec une défaite seulement 2-1 parce que le score a pu être beaucoup plus lourd hein. Donc la rage de la gagne, et c'est que cette équipe de l'Atlético Madrid à domicile cette saison en Ligue des Champions, bah, c'est 5 matchs, bah, c'est 5 victoires, les 3 matchs de poule, le 8ème de finale contre l'Inter et le quart contre
Dortmund. Ils ont tout gagné à domicile cette saison en Ligue des Champions. L'équipe de l'Atlético, c'est un peu plus compliqué à l'extérieur, mais à domicile, hein. C'est du 5 sur 5 pour les Colchoneros. C'est stat hein, quand même incroyable de Diego Simeone. N'a jamais perdu un match élimination directe à domicile en Ligue des Champions avec l'Atlético Madrid. Hein. 17 matchs, 11 victoires, 6 matchs nuls, 0 défaite. Voilà, à domicile en Ligue des Champions, match élimination directe. Donc incroyable bien sûr, hein, Diego Simeone. Toujours avec lui, tiens, vu qu'on parle de lui, on va vous mettre aussi une petite info, hein, qu'il était très chaud hier. On sait que c'est un entraîneur qui montre, hein, voilà, qui est un peu expressif. Hein. Et il a failli revenir aux mains avec Sébastien Kehl, hein, qui est le directeur sportif de Dortmund. Je ne sais pas pourquoi ils sont embrouillés. Bref, ils ont failli quasiment même se battre, hein, sur le bord de la pelouse. Le meilleur joueur du match, les gars, c'est lui. Tout le monde le connaît, bien sûr, c'est Antoine Griezmann et ça fait plaisir. Il a reçu le prix du meilleur joueur de la partie, donc il n'a pas marqué, mais il a délivré une passe D. Grisou, et c'est vrai que cette saison, bah, il a été décisif lors de 6 des 9 matchs de Ligue des Champions, voilà, contre le Feyenoord, contre le Celtic deux fois avec un but et le match retour, le doublé contre la Lazio et contre l'Inter, et là une passe D contre Dortmund, donc ses stats, 6 buts, une passe D, donc en 9 matchs, hein, donc grosse saison européenne, hein, pour, bien sûr, pour Grisou. Rodrigo De Paul, le premier buteur à côté Atlético Madrid, premier buteur même du match, hein, donc il a inscrit hier soir le premier but de sa carrière en Ligue des Champions, jamais il avait marqué, hein, le champion du monde argentin dans cette compétition. Côté Borussia Dortmund, donc ultra dominé dans ce match, hein, Dortmund aurait même pu réaliser le hold-up parfait avec la tête de Julian Brandt, hein, donc voilà, ce joueur à la 95e minute de jeu, ça a heurté la barre transversale. C'est à deux doigts d'égaliser, ça aurait été un très bon résultat, un très bon, on peut dire, avant le match retour, ça aurait été parfait de faire 2-2. Bon, 2-1, c'est pas non plus cuit pour eux, mais voilà, ils étaient très proches de faire le hold-up en toute fin de match, hein, cette équipe du BVB. A noter que Mats Hummels, les gars, jouait hier, hier soir son 500e match sous les couleurs du Borussia Dortmund, hein, bien sûr, une véritable légende du club, hein, le défenseur allemand. On va parler aussi de Sébastien Haller, buteur, le buteur du 2-1, on va dire, malgré la défaite, il a marqué ce but qui va compter beaucoup pour le match retour. Donc voilà, en toute fin de match, hein, les trois derniers buts de Sébastien Haller, donc le but hier en Ligue des Champions, le but en finale de la Coupe d'Afrique des Nations et un but aussi en demi-finale de la CAN, donc trois derniers buts, trois buts hyper, on peut dire, importants. Et Sébastien Haller, après avoir appris que le Barça s'était imposé au Parc des Princes, que quelqu'un lui a dit le résultat, le Barça s'est imposé 3-2, donc il a dit c'est la Champions League, hein. C'est difficile de savoir qui va gagner avant le début du match et c'est aussi le football, c'est beau pour tout le monde, c'est beau pour les fans du foot, hein, qui vont pouvoir suivre ça la semaine prochaine. C'est vrai que là si on regarde les 4 rencontres, hein, il n'y a pas d'équipe qui est sûre d'être qualifiée. Bon, il y a eu des équipes qui se sont imposées, mais tout peut arriver bien sûr, hein, on parlera tiens, dans quelques secondes, hein. Et juste pour finir, hein, sur ce match Atlético Madrid Dortmund, le magnifique tifo, hein, c'était prévu un tifo à 360 degrés un peu comme au Bernabéu, il y avait des tifos sur l'ensemble du stade, ben ça a été pareil hier du côté de l'Atlético, hein, ce stade qui était bien sûr à guichet fermé. Du coup, les 4 résultats, donc on a pris beaucoup de plaisir, hein, pourquoi? Parce que toutes les équipes ont marqué, il n'y a pas eu une équipe qui n'a pas marqué, les gars. En tout, il y a eu 18 buts inscrits en 4 rencontres, hein, c'est incroyable, hein, donc ça a été un festival de buts. Donc comme je l'ai dit il y a quelques secondes, voilà, tout peut arriver, les gars. Il n'y a pas d'équipe là voilà, qui se détache ou qui est quasiment sûre, parce que des fois il y a des quarts de finale où il y a un 3-4-0, on va dire c'est quasiment fini, hein, l'équipe est qualifiée. Tout peut arriver, Arsenal, Bayern, hein, tout est jouable. Pareil à City, pareil à Dortmund, pareil au Barça. Bon, après, peut-être avantage, bien sûr, à l'Atlético et au Barça. Bien sûr, avec une victoire, mais Dortmund, les gars, ils vont recevoir. Le PSG, on sait que le PSG peut aller battre le Barça. Donc. Voilà, donc on ne sait pas bien sûr qui se qualifiera, c'est pour ça qu'elle est belle bien sûr, hein, cette Champions League. Les meilleurs joueurs cette semaine, hein, entre ces 4-là, donc les 4 joueurs qui ont été MVP des matchs, hein, donc Phil Foden, Odegaard, Griezmann et Rafinha, qui sera le meilleur joueur? Je partirai certainement sur Rafinha, hein, c'est le seul, je crois, avoir inscrit un doublé, hein. Phil Foden, il a marqué un but, Odegaard, je crois qu'il n'a pas marqué, Griezmann, une passe D, Rafinha, doublé. Ça devrait certainement être Rafinha, le meilleur joueur de cette semaine en Ligue des Champions. Et c'est vrai que Rafinha, il a fait son match, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont déçu comme Mbappé. Mbappé l'a déçu à Londres, il l'a déçu avec City. Et Bellingham, il a déçu aussi avec le Real Madrid. Hein. C'est peut-être des joueurs qu'on attendait moins comme Rafinha. Ben lui, il a été à la hauteur, hein, lors de ses quarts de finale. On continue, hein, donc la semaine française débute mal, hein, mais s'annonce encore radieuse, hein, donc le PSG commence très mal, ça c'est pas trop bon pour l'indice UEFA, bien sûr, une défaite contre le Barça. Donc aujourd'hui, 2 équipes françaises, on va parler des autres compétitions, bien sûr, hein, donc l'Europa League et l'Europa Conference League, donc Marseille se déplace au Benfica et Lille se déplace à Aston Villa. Donc tout d'abord, l'Olympique de Marseille au Benfica, c'est ce soir, c'est à 21h, et on peut voir le groupe convoqué du côté de l'OM, n'oubliez pas que l'OM reste sur 4 défaites d'affilée, donc voilà, l'OM n'est pas du tout au mieux avant ce déplacement au Portugal. Donc après, il y a le match retour qui est quand même le seul point positif, hein, ce sera la semaine prochaine.
au Vélodrome. Et ce soir, il faut éviter de prendre une correction comme ils avaient pu prendre hein, du côté de Villarreal. On se souvient, hein, il y avait eu 3-0. Ils avaient marqué en fin de match le 3-1 pour voilà, rester en Europa League hein, parce qu'ils avaient gagné 4-0 le match aller. Donc, il faut éviter de prendre un match nul. Ce serait un score parfait pour Marseille. Perdre à la rigueur avec un but, voilà, un plus 1 pour Benfica, ce serait ok. Mais voilà, si tu commences à prendre 2 plus 2, plus 3 en but d'écart pour Marseille, ça va être très compliqué à revenir. Donc voilà, le groupe a convoqué pour Marseille. Donc je pense que l'objectif pour Marseille serait un nul, les gars. Ce serait un très bon résultat avant, bien sûr, la réception de cette équipe jeudi prochain. Et Longoria affiche son soutien envers les supporters marseillais privés de déplacement à Lisbonne à 48 heures du match. Lui-même ne se rendra pas au stade en soutien à ses supporters si la décision reste inchangée. Pour l'instant, la situation reste inchangée. Je n'assisterai pas au match et les supporters de Marseille ne sont pas acceptés au stade. Ils ont payé un voyage. Ils ont payé des billets et dépensent tellement de passion et d'énergie dans une saison si difficile. C'est quoi en gros le problème? C'est que les supporters du Benfica n'ont pas le droit de venir à Marseille la semaine prochaine, une interdiction. Et du coup, le Benfica interdit bah, les supporters. Pourtant, les supporters de Marseille ont le droit d'aller là-bas, dans le stade. Mais c'est les Benfica, en gros, qui ne veut pas vendre les places aux supporters marseillais. Parce que les supporters de Benfica ne peuvent pas aller à Marseille jeudi prochain. Donc, il a dit que lui n'ira pas, tout simplement, si la situation reste inchangée. Les autres rencontres, parce qu'il n'y a pas que Marseille qui joue. Hein, ce soir, il y a un beau Milan-Roma, Liverpool-Atalanta et Leverkusen-West Ham au programme ce soir. Hein, toutes les rencontres ont lieu à 21h ce soir. Et à noter voilà, les équipes en forme, hein, comme l'AC Milan, Leverkusen qui reste sur 5 victoires d'affilée, et tout en bas Marseille, hein, 4 L, 4 lose, hein, les 4 derniers matchs, 4 défaites. Donc voilà, c'est l'équipe la moins en forme, hein, cette équipe de l'Olympique de Marseille. Il y a aussi l'équipe de Lille qui joue contre Aston Villa ce soir, avant le match retour qui sera à Lille la semaine prochaine, mais là c'est un déplacement compliqué hein, chez les 5e actuellement de la première ligue. Donc voici le groupe du LOSC hein, pour affronter Aston Villa ce soir. Et à noter qu'Angel Gomez est de retour dans le groupe du LOSC hein, face à Aston Villa, désolé. Donc les 3 semaines d'absence transformées en une semaine et demie parce que normalement il devait louper 3 semaines. Ouais, il devait être blessé 3 semaines et du coup au bout d'une semaine et demie il est déjà dans le groupe. Voilà, parce qu'on peut le voir, la numéro 8, Gomez, parce qu'en gros, Paulo Fonseca, il compte trop sur lui. Et du coup, ouais, ils vont prendre le risque de le faire jouer, tout simplement, alors qu'il n'est pas encore rétabli, il n'est pas encore à 100%. Donc, on espère que ça se passe bien pour lui. Hein. Il y a noté qu'Adam Ounas n'est pas retenu hein, par Paulo Fonseca pour Aston Villa Lost. Regardez, il n'est pas là, Adam Ounas, on ne sait pas s'il est blessé. Je ne sais pas s'il est blessé, si c'est un choix du coach, hein, mais il n'est pas présent pour cette rencontre, le joueur algérien. Rémi Cabella, lui, qui est bien dans le groupe, hein, qui avait été buteur lors du dernier contre l'OM, avant le quart de finale ce soir hein, de ces 4, on va dire, d'Europa Conference League, il a dit avec Samuel Umtiti, on s'était dit, cette coupe c'est la nôtre, hein, on veut la gagner, cette Europa Conference League, hein, j'ai toujours rêvé de soulever une coupe d'Europe et je me donne à 1000%, Samuel Umtiti est blessé, mais je lui mets la pression, reviens vite, hein, on a dit qu'on y allait tous les deux, un match comme Aston Villa, c'est le frisson, je vais bouger tout le monde, hein, donc lui vraiment il a l'objectif hein, de remporter cette compétition, Rémi Cabella. Les autres rencontres, hein, les autres quarts de finale de l'Europa Conference League, donc on parlera bien sûr demain, on peut voir les équipes les plus en forme hein, et les équipes les moins en forme des quarts de finalistes de cette compétition. N'oubliez pas aussi les horaires, c'est que je vous ai montré là, mais par exemple on ne voit pas les horaires, n'oubliez pas que l'Europa League, hein, tous les matchs ont lieu à 21h. Voilà. Et en Europa Conference League, donc il y a 2 matchs à 18h45 et 2 matchs à 21h. Donc Lille hein, joue à 21h ce soir contre Aston Villa. Voilà, il y aura 2 affiches à 18h45 qui se joueront plus tôt. On quitte l'Europe, tout ça, on va parler ben, d'une compétition sur le continent nord-américain. L'équipe de Léo Messi, l'Inter Miami, joue contre Monterrey. Donc l'Inter Miami s'est incliné 3-1 lors de cette rencontre. Hein. Donc c'était le match retour. Hein. Ils ont déjà perdu au match aller demain. Et du coup, bah, ça fait 5-2 pour Monterrey qui élimine l'équipe de l'Inter Miami de la finale, enfin des quarts de finale de la CONCACAF face à Monterrey. Donc voilà, c'est fini hein, pour Léo Messi. Il est éliminé de cette compétition. Donc bien sûr, il était déçu de la jouer, hein, Léo Messi, mais il n'a pas pu gagné. Et l'Inter Miami éliminé lors des quarts de finale de la CONCACAF Champions Cup. Hein. Al Nasser, l'équipe de Ronaldo, éliminé lors des quarts de finale de la Ligue des Champions asiatiques. On peut dire pas de nouveau trophée des champions pour, bah, pour cette saison, hein, pour les deux GOAT du football. On continue les gars, on va parler tiens, de cette photo là. Donc Carlo Ancelotti, je l'ai dit hier, hein, lors de son match avant-hier où il était entraîneur du Real. C'était son 200e match en tant qu'entraîneur d'une équipe en Ligue des Champions. Et on peut voir ben, le reste du classement, Ferguson 190, Arsène Wenger 184 ou même Guardiola, Mourinho. Donc on a 200 matchs hein, quand même où il a pu diriger. Donc c'est le record, hein, jamais un entraîneur a dirigé plus de matchs de Ligue des Champions que Carlo Ancelotti. Donc 115 victoires, 43 matchs nuls et 42 défaites. Hein. Voilà, son bilan bien sûr est très bon hein, pour Carlo Ancelotti. On va parler tiens, du 4e Pep Guardiola qui dépassera certainement Ancelotti parce que Guardiola est beaucoup plus jeune hein, que Ancelotti. Il s'est fait une longue carrière d'entraîneur, Guardiola.
Il dépassera certainement le nombre de Carlo Ancelotti. Et Guardiola, les gars, critique la pelouse du Bernabéu. Voilà, il a dit, hein, le toit, donc déjà le toit, je préfère voir le ciel, hein, parce que le toit était fermé, donc je l'ai dit ça, par rapport au toit. Et la vérité est que le stade est impressionnant. Maintenant, il ne leur reste plus qu'à prendre soin de la pelouse. Hein. Je n'y ai pas mis les pieds, il n'a pas marché sur la pelouse, mais c'est ce que les joueurs m'ont dit. En gros, ces joueurs lui ont dit que la pelouse n'était pas bonne au Bernabéu lors de cette rencontre entre le Real Madrid et Manchester City. C'était mardi soir. On va parler d'un autre entraîneur, c'est Stefano Pioli, c'est l'entraîneur de l'AC Milan, et pour lui, il a dit, hein, je ne pense pas que l'AC Milan soit très loin du niveau du Real Madrid ou de Manchester City, qui est une des équipes qu'on parlait juste avant, là, avec les deux coachs. Hein. Donc pour lui, l'AC Milan est quasiment du même niveau que le Real ou Manchester City, ce qu'il a dit, hein, l'entraîneur de l'équipe de l'AC Milan. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec Kun Agüero, et lors du match Real Madrid-Manchester City, Kun Agüero a parié 10 000 dollars hein, sur plus de 2,5 buts dans le match, donc il fallait au moins 3 buts dans la rencontre. Donc l'ancien Citizen a donc déjà gagné son pari et encaissé dès la 14e minute de jeu, parce qu'au bout de 14 minutes de jeu, il y avait déjà 2-1 pour, c'était pour Real, oui, de Real. Donc voilà, il avait déjà gagné son pari. Donc un match comme celui-ci d'aujourd'hui mérite plusieurs buts. Hein, donc il a gagné, la cote était à 1,90. Donc voilà, il a gagné en gros 19 000 dollars hein, sur 10 000 dollars qu'il avait parié. Kun Agüero, donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure, il y a l'After Zap Image. Et demain, bien sûr, on parlera de tout ce qui se passe ce soir, hein, parce que ce soir aussi, il y a pas mal de matchs hein, en Coupe d'Europe. Allez, bonne journée à vous et à demain.